moi je suis responsable animalier du domaine des fauves. La première fois qu'il y a eu un zoo ici, donc c'était en 1968, qui a été créé par Monsieur Espy. Le domaine des fauves, avec toute la thématique qui tourne autour avec les carnivores, c'est un petit peu plus récent, c'est fin des années 90, où le zoo des Abrets est devenu domaine des fauves. C'est toujours le zoo des Abrets, parce qu'on est toujours sur la même commune, sur le même emplacement, mais on a créé une thématique avec une spécialisation dans tout ce qui est carnivore. Donc les mammifères carnivores, grands fauves, mais également les rapaces. Notre fil rouge, c'est ça. Et aujourd'hui, on va s'y tenir, on s'y tient et on va s'y tenir depuis que le domaine des fauves est né. Après, dans l'avenir, notre politique à nous, c'est d'agrandir nos enclos pour des animaux qui sont déjà là et accueillir effectivement de nouvelles espèces. On n'a pas forcément de nom maintenant, mais ce sera de toute façon des carnivores.